authentic. It's real. It's the real world. You're not, to me, you're not learning as much. And it's not the heart of Dubai. This is the heart of Dubai. This is old Dubai. We're heading towards the creek now, and if we should go straight, we would run into it. But we have to make a detour and go across the creek on Maktoum Bridge. Here we are at XVA. And come with me, and I'll lead you to XVA Gallery and Cafe and all of her. And this is a tent where they gather to have their tea and shisha. This is Av Gallery right here, and it's where I had my last exhibition. But Av and XVA have now merged. They're one. And Feridun Av is from Iran. He's educated in America, works all over Paris and Rome, and he has been very helpful to me in my work. You may meet him in here. So come, let's go. She's here at the office. Hello, good morning. How are you? So good to see you, Salvador. See you too, also. Come on in. Hi, good morning. We're entering the courtyard. How are you? So good to see you again. You look great. Bonjour, je m'appelle Vincent Maldan, je suis français. Je vous en prie, entrez chez moi. On est dans mon appartement de Dubaï.
Alors, comme vous pouvez le voir ici, notre TF très française, c'est la Tour Eiffel. Je trouvais qu'apporter la Tour Eiffel de Paris dans mon intérieur me faisait ressentir un petit peu d'où je venais avec mes racines. Donc ici, on est dans la partie la plus ancienne de Dubaï, qu'on appelle aussi Old Meta, qui veut dire vieille ville de Dubaï. C'est un des quartiers les plus animés de Dubaï, encore où l'on peut retrouver la nauticité des pays un peu du Maghreb au arabique et tout ça. Ici, on est dans la partie télévision ou relaxation de mon appartement. C'est un angle, par exemple, de ce canapé que j'aime beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis situé juste en haut de tous les buildings de Dubaï. On peut s'arrêter sur cette table qui est assez, qui n'est pas originale, mais qui m'arrive très bien dans le cadre. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup mélanger l'ancien temps avec une période un peu moderne. J'aime bien travailler des matières différentes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dessin. Donc, c'est pas moi qui l'ai créé, bien sûr, mais j'ai pris le dessin d'une table en teck, aussi de Bangkok, et que j'ai redessiné pour être cette fois en métal. Donc, qui donne quelque chose de très, très, très léger, qui est creuse. Mais par contre, si vous pouvez regarder, c'est qu'en fait, la patine qui est dessus est posée à la feuille de métal, qui a été ensuite poncée et qui lui donne un aspect, pas comme l'aluminium, où l'aluminium est quelque chose d'assez usine. Ça, c'est quelque chose d'assez raffiné, qui peut être... Enfin, que j'ai placé dans mon living room, donc pour moi, elle est très élégante. Et je suis très content du résultat. Maintenant, vous pouvez voir, j'ai fait trois steps et vous avez alors trois marches d'escalier où on va se retrouver sur la partie dining room, une partie assez étroite. Mais par contre, tous mes invités ou quand on est à table, le spectacle est beaucoup plus grandiose puisque vous êtes assis sur la ville de Dubaï. Derrière, j'ai un grand poster de New York, qui veut dire pour moi une ville assez en mouvement. Beaucoup de choses se passent à New York. Des chaises en cuir avec des grosses coutures, un cuir assez ferme, mais un design très pur, une ligne très très fine, avec une table en bois naturel qui, au contraire, est très solide. Elle a des pieds très carrés. Elle est d'une forme rectangulaire et donne l'impression d'être très solide, un petit peu mes racines. Comme vous pouvez voir dans cet appartement, je n'ai installé uniquement que trois maîtres couleurs. Le jaune, un petit peu comme le sol, le gris et le noir. Uniquement trois couleurs. Avec aussi beaucoup d'éclairage, de l'éclairage indirect, même la hi-fi avec les enceintes sont de couleur noire, pour créer une atmosphère unique. Une petite histoire, c'est que la façade, elle a trois fenêtres de 60 cm, mais les autres sont de 1,20 m. Et pour avoir une symétrie dans le look, j'ai dessiné ces pendants de rideaux devant les fenêtres. Donc vous ne pouvez pas savoir que j'ai trois fenêtres de 60 cm. Et maintenant, ma baie vitrée est parfaitement symétrical à 1,20 m. Le lustre que vous voyez ici a une petite histoire, parce que bien sûr, vous savez, quand on est designer, on essaye toujours de créer quelque chose. Et puis, comme à Dubaï, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels, et j'ai eu à dessiner un peu comme une espèce de soleil avec quelque chose qui passait dans ma tête. J'étais en même période tout en train de refaire mon appartement et je suis allé dans le commerce et j'ai trouvé ce lustre. Voilà, et il m'a valu beaucoup d'histoire parce qu'en fait ce lustre fait 80 kilos. Donc on a été obligé de supporter par une chaîne métallique qui est fixée en fait dans la dalle de l'immeuble et amener la lumière et autres en fait, voilà.
La cuisine, pour moi, est aussi quelque chose de très, 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 très important. En tant que bon Français, j'aime bien manger. Et puis, j'ai cuisiné pendant de longues périodes. This is Hélène. Donc, Hélène, elle travaille pour moi. Elle habite aussi avec moi. Elle est philippine. Donc, voilà ma cuisine. En fait, j'ai créé un bar de toutes pièces avec une dimension d'un mètre 10 à peu près. Parce que j'aime bien mélanger la cuisine, les amis, la vaisselle et le technique, on va dire, de toute l'ambiance de la cuisine. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. Et aussi quelque chose que j'adore parce que c'est un endroit où je suis tout le temps. Et comme on a 8 mois de l'année à Dubaï où il fait très très bon, où c'est très très agréable de vivre, eh bien je suis sur ma terrasse. Venez. Et voilà. Voilà un endroit où le matin, il est très agréable d'être. C'est une terrasse et vous, là encore, on est sur le toit de Dubaï. Devant vous, vous avez la crique. La crique est un bras de la mer, en fait, qui a été construit à la période où Dubaï s'est développé. C'est en fait ce bras de la mer qui apporte des bateaux venant de l'Asie, en Inde et autres, parce qu'à Dubaï, il y a une très très grosse importation de tout ce qui est tissu, épices et tout ça. Et les tours en face de vous, les deux tours Rolex, c'est là où se passe le commerce, comme la bourse, mais c'est une bourse pour les épices et pour la fabrique. Et donc en fait ici, on est aussi assis sur le plus gros port du monde, puisqu'en fait Dubaï a commencé à exister quand Sheikh Maktoum a décidé de lancer le port. Puisqu'ils avaient la place de recevoir d'énormes bateaux. Donc ils ont construit un port énorme pour recevoir tous ces gros bateaux et remettre la marchandise dans le plus petit bateau pour repartir après ailleurs dans le monde entier. Et c'est comme ça que Dubaï est parti à vivre, parce que pour apporter toutes ces marchandises, il fallait beaucoup de gens. Donc ils ont importé beaucoup, aussi fait venir beaucoup de gens de l'extérieur de Dubaï, construit des maisons et l'activité est partie comme ça. Alors venez voir la chambre d'amis, un endroit très reposant, encore une fois que j'ai essayé de créer avec mon inspiration et puis aussi surtout à ce que moi j'avais envie et ce que j'avais envie que mes invités ressentent quand on arrive chez moi. Donc ici on a un bed avec beaucoup de coussins, un lit pardon, parce que de temps en temps j'utilise bien sûr les mots en anglais puisque ici à Dubaï on parle que l'anglais. Avec ici un petit coin salon avec deux fauteuils relax de couleur verte. Et aussi, vous pouvez regarder le tapis est de couleur verte, un petit peu à l'imitation d'un gazon, parce que bien sûr, quand on habite dans le désert, on a envie de verdure. Allez, maintenant, je vais vous montrer ma chambre. Une grande chambre, c'est pas un endroit où je passe beaucoup de temps, mais c'est un endroit avec lequel j'ai essayé de travailler aussi d'une façon très dure. Venez voir.